Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomag, votre petite friandise moto, culture, passion du vendredi soir. Et là, de la passion, il y en a partout autour de nous. Nous sommes encore au Salon de Lyon parce que c'est vraiment un endroit où il y a une pléthore de clubs, de motos, de collections incroyables, d'expositions. Je suis en compagnie de Dominique Gilbert. Bonjour Dominique, tu es président du Bimota Passion Club de France. Tout à fait, un club que nous avons créé il y a 6 ans maintenant. Et tu es un ardent propriétaire de plusieurs Bimotas. Voilà, mais il y a pire, il y en a toujours pire. On a toujours pire. Nous avons 300 motos dans le club. D'accord. Et dont certains en possèdent une quarantaine. Donc, ah, carrément. Voilà. Oui, carrément. Ah, donc il y a des tocs encore plus marqués. Voilà, moi j'en possède 9, ouais, ce qui est beaucoup. C'est pas mal. Et non, il y en a qui en ont beaucoup plus. Dominique, quelques mots peut-être pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien Bimota. Alors on sait que la marque parfois a des petites poussées comme ça de communication. Sur un récent numéro de Moto Magazine, Axel est allé essayer la Tesi H2 compressée et il est rentré en tremblant tellement ça l'a secoué. Malgré tout, Bimota, c'est l'association de 3 personnes, voilà, qui décide au tournant des années 70 d'améliorer les motos existantes. Voilà, les japonaises n'avaient pas des particiques performantes, mm-hmm, et Bianchi, Mori et Tamburini, le génial créateur aussi des Ducati et des MV Agusta, créent la marque pour modifier le châssis d'une Honda Four qu'ils, mm-hmm, avaient accidenté. Mm-hmm. De là, ils font des motos de course et après arrive seulement la série. Mais au départ, ils faisaient que des châssis pour améliorer les motos de piste. Et c'était vraiment pour la piste alors. Parce, oui, que ça fait une différence marquante parce qu'en fait, le fait que les Japonais savaient faire de bons moteurs mais des particules un peu médiocres parce qu'ils n'avaient pas une maîtrise des aciers comme les Européens, oui, c'est ça. Bon, ça c'était connu. Bimota n'était pas les seuls. On avait Egli, on avait Martin, on avait d'autres faiseurs comme ça, y compris en Grande-Bretagne qui sont un peu moins connus. Par contre, la différence, c'est qu'eux, tout de suite, ont voulu prouver le bien fondé de leur techno avec la compétition. Oui. Ils ont créé donc les lettres, ça veut dire Yamaha pour YB. Mm-hmm. Et donc, ils ont fait les YB1, 2, 3, SB1 avec, mm-hmm, le Suzuki TR. Et c'était pour la compétition au, mm-hmm, départ. D'accord. Et les motos ont gagné. Elles ont montré qu'elles, alors, étaient bien conçues. Elles ont gagné. En 1980, ils sont champions du monde avec John Eckrolt sur une YB3. Donc, un 350 TZ, mm-hmm, ou 250. La particule acceptait les deux cylindrés. Mm-hmm. Et ils ont été champions du monde. D'accord. Et Patrick Fernandez, Eric Saul, beaucoup de pilotes français ont couru sur ces motos-là. D'accord. Et ils sont même allés jusqu'à être champions du monde de Superbike ou de production juste au tournant du Superbike avec une 750, c'est ça ? Avec une 750, moteur Yamaha, YB6, Tardozzi. Avec Tardozzi. Tardozzi, voilà. Qui après est parti team manager chez Ducati, c'est qui ça ? Aujourd'hui chez Ducati, ouais, team manager. D'accord. En quoi on peut distinguer les Bimota d'autres motos, comme je disais tout à l'heure à l'introduction, faites par des faiseurs de cadre, c'est-à-dire du Egli, du Martin et d'autres, du Godier Genoux. Qu'est-ce qui distingue cette marque italienne ? Moi, je pense qu'au niveau des particules, c'est du fait main, taillé dans la masse pour beaucoup de pièces, les platines de T supérieur, inférieur, les platines de repose-pied, on a vraiment du, mm-hmm, du fait main. C'est du fait sur mesure, ouais, du fait sur dans mesure, l'esprit de performance. Oui, de légèreté, performance, rigidité. Mm-hmm. Il y a eu quelques motos de fabriquer de série par la suite qui étaient à la commande. Ils les faisaient seulement s'il y avait un client qui l'a commandé. D'accord. Alors moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a beaucoup de bimotos autour de nous. Certaines ont une esthétique intéressante, mais j'avoue que j'ai un faible pour les bimotas de la première décennie parce qu'il y avait vraiment ce look artisanal où on était... je sais pas, moi, la découverte de l'aéro, c'était à la fois large et un peu étroit, un petit peu galbé, mais en même temps carré. Il y a des motos qui te parlent particulièrement. La SB2, par exemple, qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Alors, la SB2, c'est la première moto, en fin de compte, qu'ils ont faite pour la route. C'est ça, hein, c'est la première moto de série. Voilà, qu'ils ont fait pour la route, qu'ils vendaient soit complète ou soit en kit. C'est-à-dire qu'on achetait que la partie cycle. Alors, complète, ben, on pouvait avoir une carte grise Bimota, ça a plus de valeur. Mm-hmm. Sinon, on garde notre carte grise Suzuki. D'accord. Mais là, on a vraiment la première moto qui, avec un design très spécifique, l'axe du bras oscillant et dans l'axe du pignon de sortie de boîte pour une meilleure répartition de la puissance et, mm-hmm, au freinage et tenue de route. Et on est vraiment dans un domaine spécifique. Le T supérieur, là on a un tableau de bord en aluminium qui n'est pas la platine mm-hmm, d'origine. Mm-hmm. Très peu d'exemplaires. Moteur, c'est un GS750, c'est un GS1000, c'est quoi ? GS750. D'accord, donc ça devait tenir 4 fois mieux la route que cette grosse merguez de GS de l'époque, voilà, non ? C'est exactement ça ? Ouais. Et ça pesait, ouais, 50 kg de moins. Et ça pesait et 50 kg de moins. Et c'était, ouais, précis, etc. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a, c'est quoi la cote ? Alors on va parler un peu de la technique après avec Marcel Pellerin. C'est quoi la cote des Bimota de collection ? Ça vaut, c'est rare, c'est cher ou ça passe un peu sous les radars ? Non, c'est
c'est rare, c'est cher. Enfin, cher, après, tout est relatif. Je pense qu'on est à 35 000 euros. D'accord, oui, donc c'est un... Ouais. C'est, d'accord, la cote est soutenue sur ces motos qui sont de vraies raretés de l'histoire de la moto. Mais on peut se faire plaisir avec des motos à 5 000, 6 000 euros. Une bimota à 5 000, 6 000, ça existe. Ça serait quoi, par exemple? YB9, celle qu'on nous avons en face de nous. Ouais. C'est une moto qu'on peut trouver en France. C'est quoi? C'est une FZ600 C'est le FZ600, tout d'accord, à fait. Ouais. Donc, soit en injection refaite par Bimota, ou soit en carburateur. Mm-hmm. Mais c'est des motos qu'on, voilà, entre 6 et 8 000, on a une très belle moto. D'accord. Et une moto rare qui fait tourner les têtes et qui doit être un régal à conduire. Ah oui, ah, ça, d'accord. C'est un régal à conduire. Merci Dominique. Je vais passer la parole à Marcel Pellerin, avec qui tu vas pouvoir détailler les aspects techniques et puis faire peut-être le point sur quelques motos qui ont marqué l'histoire de Bimota. Marcel, c'est à toi. N'oublie pas la fin du bisou sur le casque. À bientôt, frérot. Bon, bah, Gigi, tu vas nous parler... Ça fait longtemps qu'on se connaît. Bah, oui, ça fait quelques années maintenant. Bah, écoute, je ne sais pas, quels sont pour toi les Bimota emblématiques de l'histoire de cette marque que tu as envie de nous présenter? Ben, disons que ça va être par la technique. Ouais. Hein, on va être sur la première moto de route, comme on vient de le signaler. Vous venez d'en parler, déjà. Ouais, okay. Après, on a le deux temps. Ouais. Alors... Après ou encore après la Tesi qui est sortie en 1994. D'accord. Et ces deux techniques, et en fin de compte, ont même à mal la société parce que après ces fiascos. Allons voir une Tesi. Allez. Parce que pour beaucoup, Bimota, le mot Tesi est associé à Bimota. Oui, Tesi, ça veut dire thèse. Thèse en italien. Tout à fait. Et pourquoi donc la Bimota Tesi? Monsieur Marconi, qui était à l'usine comme stagiaire, avait fait sa thèse mécanique sur ce principe de suspension. D'accord. Qu'on voit un peu mieux sur la moto de derrière nous, mais le principe est le même. On a des biellettes qui nous font tourner sur une rotule unibale, la roue avant, ce qui nous procure une stabilité parfaite au niveau freinage, parce qu'on n'a pas de plongée. Dans la première Tesi. C'est design-là quasiment. Ouais. Donc Tesi 1D. 1D. D'accord. Hein, première série de Tesi. Ça, c'est la ES édition spéciale. D'accord. Mais on a le moteur Ducati 4 soupapes 851. D'accord. Double injection. D'accord. Donc c'était les moteurs des Ducati 851. Voilà. Les premières de Superbike. Voilà. Les premières de Superbike. Et Bimota a eu la bonne idée de monter la cylindrée à 904 cm3 okay. par la course uniquement en mettant une cale sous le cylindre. D'accord, ok. Voilà, donc okay. On se retrouve avec la même moto, mais on a une course supplémentaire. D'accord, et celle-là c'est 94. Ouais, c'est ça. Sortie en 93-94. D'accord. Bon, il y a une anecdote. Entre nous deux et cette moto. Elle a failli m'appartenir il y a plus de 20 ans. Ouais, une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années où je l'avais essayé chez un concessionnaire qui s'appelle YE Motori, qui était un spécialiste des motos italiennes. Parce que, évidemment, la Tesi, c'était un truc incroyable. Je l'avais essayé à l'époque, c'était 80 000 francs. Donc il fallait vendre plein de choses. Et j'étais allé l'essayer chez YE. J'étais revenu et j'avais dit, écoute, laisse-moi un peu de temps de réflexion. Et toi, entre-temps, je passe acheter un cap d'embrayage pour ma Ducati Michael Aude réplica et j'ai fait un chèque de 80 000 francs. Voilà, donc elle m'est passée sous le dé, mais aujourd'hui je la vois. On va passer sur le deux temps si tu veux. Le deux temps. Voilà, donc Bimota Tesi qui est toute une histoire la Tesi, parce qu'aujourd'hui tu as toujours un modèle Tesi dans la gamme Bimota. Il y a toujours un modèle Tesi qu'on a pu lire dans Moto Magazine avec plaisir. Que j'ai essayé il y a le mois dernier. Exact. Avec un moteur alors là surpuissant, qui est le Kawa H2R. C'est le H2R Kawa compresseur. J'ai eu l'occasion de l'essayer par l'importateur Power 06 qui nous a confié la moto et c'est impressionnant. Ouais. Donc si vous voulez un historique de la Tesi, le Motomag du mois dernier, j'ai fait un historique de toutes les Tesi qu'il y a eu. On passe sur la V2E. Pour moi, à chaque fois que j'en ai entendu parler, ça marchait pas, c'était pas au point, le moteur de temps, etc., etc. Et en fait, dis-nous la vérité sur la V2E. Eh bien, la vérité, c'est ça. La vérité, c'est excellent. Ça. Excellent. Parce que l'usine, à un moment, même a proposé à ses clients de rapporter la moto à l'usine et pouvait repartir avec une SB6 s'il le souhaitait. Ah oui, c'était à ce point-là. Ah oui, c'était à ce point-là. Parce que le moteur, c'est un moteur 100% Bimota, c'est 100% ça Bimota. Ouais. La seule moto où Bimota fabriquait le moteur que nous avons derrière sur les strades. Aujourd'hui, cette moto, bah, qui est toujours emblématique et recherchée, elle peut fonctionner avec des modifications. Et d'accord. On a un Français qui a eu l'audace de mettre son autocollant création italienne. Performance regardez, en France. Créé en Italie, perfectionné en France. Ah, perfectionné en ça. France. Et donc la société Promap, qui est à côté de Orange Avignon, d'accord. Retravaille le bas moteur. Il précise qu'il est parfait. Il y a rien. C'est pas du tout le problème. Mais il repense toute l'injection. D'accord.
et il a déjà 5000. La moto que vous avez là sous les yeux, elle a 5000 km de circuit. Alors attends, laisse-moi comprendre. Donc Bimota se dit, on va faire un 500 V2. Est-ce que c'était en rapport? L'idée, c'était les Grands Prix. Ouais, c'était voilà. Parce qu'à l'époque, je me souviens, Honda faisait une coupé client en 500 avec un V2 de temps. V2 de temps, mais 3 cylindres. Oui, mais après, tu sais, à l'époque des 4 cylindres, à l'époque de Douane et bah tout, oui, les coupés clients, t'avais des V2. Tout à fait. Il y avait même, je crois que Régis Laconi a couru avec. Donc, ils se sont dit, on va faire un bicylindre de temps, donc 500 cm3. Il sortait combien de chevaux à la base? Combien il était annoncé? Je crois que c'est dans les 120. 120 chevaux mais... D'accord. Et en fait, le problème qu'il avait principalement, c'était de concilier l'injection avec la pollution et voilà. La lubrification. Et voilà, c'est ça. D'accord. Et en fin de compte, il n'y avait pas aucune souplesse sur la moto, c'était on-off. D'accord. Ils en ont fabriqué combien, des V2E? T'as une idée? 140. 140? Ouais. D'accord. Et pour toi, c'est vrai que c'est une pierre emblématique, parce que c'est le premier moteur conçu par Bimota. De temps, injection directe. D'accord. Et après, ils ont récupéré certaines motos, ils les ont montées en carburateur. Et là, ça devenait... Et là, ça marchait. Ça marchait. Okay. Et ils ont créé une coupe avec la V2E Trofeo qui est derrière, devant nous. Ouais. Et qui, elle, est à carburateur. D'accord. Et ça, c'est une moto de trophée. Une coupe italienne. D'accord. Donc, pour toi, la première, donc la SB2, la Tesi, la V2E 500... Et si tu avais une quatrième pour toi, Bimota, emblématique On va rester dans la compétition parce que c'est quand même le fer de lance de Bimota. Ce serait les YB, celle qui a été championne du monde. D'accord. Alors celle-ci, voilà, qui est celle d'un Lyonnais, Roger Siby, qui a fait le championnat du monde. Et cette moto vient d'être restaurée, mais c'est vraiment... tout le monde cherchait à acheter ces motos-là, quoi. Donc en fait, moteur Yamaha TZ 250 ou 350, c'était les mêmes. 350 ou 3TZ, le cadre était le même, Et on pouvait... le cadre était gonflé à l'hélium, il y avait de l'hélium dans le cadre. C'est-à-dire dans les tubes de cadre dans les tubes, ouais. Et pourquoi ils mettaient de l'hélium dans le cadre? Incroyable, ça. Techniquement, je ne saurais pas vous aller plus profondément que ça, mais... Ça donnait de la rigidité. Il y avait une histoire certainement de rigidité et tout ça, oui. Parce qu'à l'époque, soyons francs, les TZ 2,5 et 3,5 Yamaha étaient des motos performantes. Très performantes. Quelle idée de bimotaïser un moteur? Parce qu'on était déjà en cantilever chez Yamaha. Oui, mais on avait une meilleure tenue de route encore. D'accord. Donc en fait, ces motos-là, il y en a eu plusieurs de construites. Oui. Et en quelle année elle a été championne du monde? John Eckroll en 1980. En 2,5 ou 3,5? En 3,5. En 3,5, d'accord. Mais okay. Eric Saul a été pilote Bimota. Oui, bien sûr. Eric Saul, bien sûr. Patrick Fernandez a roulé avec des Bimota. On a eu Thierry Espier, il y a eu beaucoup de Bimota qui ont roulé aussi en France. D'accord. Roger Sibylle, entre autres. Et en quelle année Bimota a arrêté de faire des motos de Grand Prix? Peu de temps après celle-là, je crois. Je crois que c'est 84. Ouais, 84, ouais. Ok. Bon bah écoute, Dominique, merci pour ces précisions Bimota. Le club Bimota, rappelle? Le club Bimota, c'est 50 membres, 300 motos. Ouais. Ah oui, quand même. Quand même. D'accord. Hein, vous avez un site internet, quelque chose? On a un site internet, une page Facebook. Ouais. Et donc, voilà, bimotapassion.org. Bimotapassion.org. Bon bah écoute, merci Gigi, bon salon. Merci. Et je ne désespère pas d'aller chez toi en Normandie. Rerouler sur la Bimota qui aurait dû être mienne. Mais je pense qu'au final, elle est en bien meilleure main, Dominique, parce que moi, j'aurais roulé avec et soit je l'aurais mis au tas, soit je l'aurais revendu parce que, quelque part, ces motos-là, on est d'accord, c'est toujours un peu exigeant et un peu chiant au bout d'un moment. Complètement exigeant. Voilà. Et plus on vieillit, et plus c'est exigeant et terrible. Voilà. Donc, peut-être qu'on refera une vidéo, on ira chez Dominique essayer ces jeux de Bimota. Vous êtes invité, avec plaisir. Bon, cool. Merci, Gigi. Merci. Salut.